les harmoniques de l'amour. On se retrouve dans cette vidéo pour la présentation d'un jeu qui me tenait à cœur de vous présenter depuis déjà longtemps. Et puis j'ai eu d'autres priorités. Mais je le laissais sur le côté de mon bureau, d'abord parce que je m'en sers, mais surtout pour ne pas oublier de vous en faire la review. Et c'est donc l'oracle de Provence que vous avez déjà vu dans certaines de mes vidéos de Christelle Ponce-Vial, donc qui est aquarelliste et qui habite en Provence. Alors, c'est de l'auto-édition et vous pouvez le trouver par contre sur Amazon. Mais en sachant que c'est Christelle qui vous l'envoie. En fait, je pense qu'elle a un site. Moi, j'avais trouvé par le site. Mais le site, quand vous cliquez sur « Acheter », vous renvoie sur Amazon. En fait, je pense qu'elle a voulu ne pas trop se compliquer la vie. Parce que quand vous auto-éditez un jeu, mais que ce n'est pas votre occupation principale, je pense que ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Et que c'est probablement parfois plus simple pour certains créateurs de passer par le biais d'Amazon, qui est une boutique, tout y est. Ils n'ont plus qu'à mettre leur annonce et puis voilà, tout le reste est créé, alors que sinon, bah, il faut tout faire soi-même et que peut-être il y en a qui n'ont ni le temps ni les compétences nécessaires pour le faire. Donc voilà, mais sachez que ce n'est pas Amazon qui vous l'envoie. C'est bel et bien Christelle. Donc, on va lire ce qu'il est noté derrière, car il n'y a pas de petit guidebook dans ce jeu. Partez en voyage intérieur grâce au site provençaux au sud de la France, représenté à l'aquarelle. Les villages traditionnels, les sources, les châteaux du pays d'Aigues, la vallée de la Durance, le Luberon, la montagne Sainte-Victoire, le vieux port de Marseille, la lavande, le romarin et bien d'autres joyaux se réunissent dans cette mission commune, vous accompagner dans vos questions. Chaque carte transmet une énergie qui lui est propre. Laissez-vous guider. La représentation, les formes, les couleurs, les mots, les lieux apparaissent comme des clés, des indices. Cet oracle, composé de 56 cartes, est un outil précieux dans le cadre de votre développement personnel, favorisant confiance et compréhension. Et c'est un oracle avec lequel on peut faire du développement personnel, mais de la guidance et même très très honnêtement aussi un petit peu de la prédiction, on pourrait dire de la divination, un petit peu de prédiction sur certaines choses. Parce que en fait, la frontière est mince entre les deux. Moi, je fais plus la différence dans la façon de poser les questions et de ce qu'on fait des réponses. Est-ce qu'on croit qu'elles sont figées ou est-ce qu'on a justement ces réponses-là pour mettre en œuvre notre libre arbitre afin de changer les choses? Mais bon, ça on en reparlera. Donc, vous avez l'illustration d'un côté et vous avez de l'autre côté le lieu et des mots-clés. Alors, la qualité est absolument excellente, très, très épaisse. Les cartes sont mates, comme vous le voyez, et ça convient tellement bien à ces... Je ne l'aurais pas vu en brillant, celui-là, mais vraiment pas. Parce que les aquarelles qui sont là sont des aquarelles, bon, ceux qui sont familiers du sud de la France savent que partout, on voit ce genre d'aquarelles. Donc, ils sont à vendre, hein, donc... Et comme je l'ai déjà expliqué, que je suis familière du sud de la France depuis mon enfance, puisque j'y ai passé toutes mes vacances. Pour moi, c'est familier. C'est un genre d'aquarelle qui fait vraiment partie de ma vie. Et donc, bah, quand j'ai vu ça, j'ai pas hésité une seconde. Donc, voilà. Donc, je vous montre un petit peu derrière. Je ne vais pas vous montrer tout, mais par exemple, voilà, vous avez ça, c'est une ruelle provençale. Et vous avez comme mot-clé, surprise, découverte, retour à soi. Donc, ça peut être les trois ensemble ou ça peut être un... Parce que, bon, surprise, découverte, ça va assez bien ensemble, mais retour à soi,
ça n'a pas nécessairement de rapport avec ça. Mais ça peut être aussi la surprise de découvrir qu'il faut revenir à soi-même comme réponse à votre question, ou pas. Ça peut être que le retour à soi, ou ça peut être une surprise, ça peut être une découverte. Ça, ce sera à vous de voir en fonction de votre question, comment vous allez interpréter les mots-clés qui se trouvent sur les cartes. Voilà. Donc, je vais vous montrer toutes les cartes. Je trouve vraiment, mais vraiment, vraiment, vraiment magnifique. Les coloris, puis la qualité. Vous voyez le pont du Gard ici, hein, qui est un pont très connu. Moi, je sais que sur le trajet pour arriver sur le lieu là-bas, j'y passe au pont du Gard. Vous voyez qu'il y a des cartes qui sont avec des coloris quand même un peu plus sombres. Hein. Vous voyez là, on est dans des tons rougeâtres, presque brunâtres. L'atmosphère n'est pas si légère. Moi, j'ai plus un ressenti de tension, peut-être même de colère, de... Je ne sais pas trop ce qu'il y a ici. Ben voilà, vous voyez, adversité, tourment, puissance, flux. Voilà, moi, je le ressentais bien comme ça. Donc, c'est Maison la Romaine. Mais vous voyez, je ressentais bien l'énergie par les coloris. Rien que par les coloris, vous avez déjà des indications sur votre réponse. Quand je vois celle-ci, par contre, moi j'y vois un soleil, j'y vois la lumière, j'y vois la joie, enfin, que du positif. Voilà, message d'amitié, tendresse, sécurité, énergie féminine. Mais moi, j'y vois encore bien plus de choses que ça. Hein. Avec ce superbe mimosa, mais voilà, je veux dire, celle-ci est sublime, je trouve. La vue comme ça, le point de vue. Vous voyez, celle-ci, par exemple, a une atmosphère beaucoup plus paisible. Les coloris sont vraiment magnifiques. Regardez-moi ça, c'est tellement beau. J'adore. J'ai l'impression d'y être. Ça me fait beaucoup de bien de regarder ce jeu. Ça me demande si... Ouais, c'est les gorges du Verdon, ils sont débiles. J'étais pas sûre, hein, mais... C'est joli, tellement beau, des coloris un petit peu plus du soir. C'est magnifique. C'est le château d'Ansouy. Je ne connais pas. Oui, une énergie du soir. On a finir et recommencer. Bah oui, le soir. Impuissance, effondrement, illusion, renoncement. Ça va bien avec une énergie du soir. Vous voyez, les illustrations sont très, très, très bien faites en lien avec les mots-clés. Même si vous avez des paysages et que vous pourriez vous dire « Qu'est-ce que ça va pouvoir avoir comme rapport avec les mots-clés ?» c'est pas les indices nécessairement que vous avez dans la carte, bien que, hein, peut-être que ça peut vous parler aussi. Mais je trouve que c'est plutôt dans les traits, dans les couleurs. Moi, en tout cas, j'arrive à faire très, très fort le lien entre peut-être quand même des éléments. Si vous voyez des fleurs, si vous voyez de l'eau, si vous voyez de la pierre, voilà. Mais aussi les couleurs, l'atmosphère, je trouve, et même la forme des traits. Est-ce que les traits sont plus doux? Est-ce que les traits sont plus rudes? Ici, on a beaucoup d'eau, par exemple. On va les regarder. Danse, éclairage, renouveau de l'autre côté. Donc, c'est le pont d'Avignon.
Et donc ici, effectivement, ces taux a l'air de voilà, d'être très fort en mouvement. D'où nous avons la danse et puis le renouveau, puisque l'eau, voilà, aussitôt, elle est partie. Et il y en a une autre qui revient. C'est plus la même eau. Qu'ici, on a aussi de l'eau, mais elle est moins en mouvement, je pense. Qu'est-ce qu'il est? Voilà. Ici, on a solitude, épuration, guérison, ressources. Donc, c'est juste le courant de l'eau. Mais voilà, elle est peut-être un peu moins, voyez, moins en mouvement que ici. Ça bouge un peu moins. Magnifique celle-ci. Sublime. Je trouve en plus qu'il a vraiment le mérite d'être extrêmement original. Bah c'est le seul jeu de ce type-là que je possède. Et j'en suis ravie. Ah oui, et j'ai oublié de vous dire que il est à un prix vraiment, vraiment, vraiment correct. Je me souviens plus exactement, mais j'essaierai de vous mettre peut-être le lien Amazon. Et en tout cas, pour de l'auto-édition, c'est un prix plus que raisonnable. C'est vraiment pas un jeu où vous allez vous dire, oula, je ne peux pas me le payer. Surtout que, combien encore on a dit qu'il y avait? Je pense que c'était écrit ici. On a 56 cartes quand même. Donc c'est pas un petit jeu, hein. C'est pas un tout petit jeu. Sachant que les oracles, bah, on va dire un peu classiques, traditionnels, font 44 cartes, hein. On va dire c'est souvent un nombre assez, assez habituel. Bon, il y en a 56. Donc ça, c'est le vieux port de Marseille, hein, avec la Bonne Mère, Notre-Dame de la Garde en hauteur, qui veille sur Marseille. Superbe. C'est superbe. L'étang de l'Abonde, ça je ne sais pas où c'est, je ne connais pas. Mais on retrouve bien cette joie et l'accueil. Moi, cette carte, je la ressens. C'est moi, quand j'arrive à me connecter à ma joie intérieure, c'est le genre de choses que je pourrais faire. Elle me parle tout à fait à ça, de ça. Regardez comme c'est joli. C'est magnifique. C'est vraiment, vraiment, vraiment une réussite. Bon. Il y a un petit peu de bruit dans la rue. Je suis désolée. Je ne sais pas si ça s'entendra trop. Regardez celle-ci, comme elle est belle. Une carte de recueillement. Avec de très, très jolis coloris. Ben, voilà, recueillement. Lumière et humilité, amour inconditionnel. Donc c'est l'église Saint-Sauveur à Aix-en-Provence. Et on a aussi quête comme mot-clé. Mais je trouve que c'est tellement bien. Moi, cet oracle me parle tellement par l'énergie des couleurs et des formes, enfin, qui se dégagent de la carte. Quand je vois ça, on voit un personnage seul, on pourrait se dire, tiens, c'est de la solitude, c'est peut-être de la tristesse. Mais non, 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 non. Moi, je ne peux pas y voir ça. Les coloris sont trop chaleureux. C'est beaucoup, pour moi, c'est paisible. C'est du recueillement. Et vous voyez, les mots-clés correspondent.
Lumière, humilité, amour inconditionnel, recueillement, quête, et pas solitude, tristesse, voyez ce que je veux dire. Donc moi, en tout cas, il me parle énormément. Voilà, j'espère que il vous aura plu, que peut-être je vous l'aurai fait découvrir, car je pense qu'il n'existe pas énormément de reviews de cet oracle, et c'est dommage, parce que il en vaut vraiment le vraiment le coup. Donc j'essaierai de penser à vous mettre le lien. Si je l'oublie, n'hésitez pas à me dire en commentaire que j'ai oublié de vous mettre le lien. Et comme ça, vous pourrez aussi vous le procurer si le cœur vous en dit. Voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est déjà fait. D'ailleurs, je vous remercie pour vos abonnements parce qu'on a largement dépassé les 300 abonnés. Donc, c'est merveilleux. Merci à vous tous qui me suivez. Merci pour vos petits commentaires bienveillants. J'ai beaucoup de plaisir à échanger avec vous. Et n'hésitez pas à liker. Voilà, parce que ça diffuse la chaîne. Après, je vous ai déjà dit, c'est voilà, si ça peut aider des personnes, voilà, c'est un peu le but. C'est de partager, c'est d'échanger. Et donc, si on peut accueillir d'autres personnes dans la petite communauté, c'est chouette. Moi, je vous dis à très 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 bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.